Bonjour à tous, je suis Franz Jarry, le directeur général d'ADN Ouest. ADN, co-organisateur de ce bel événement avec API, la CCI et Exponente. ADN Ouest, c'est 600 aujourd'hui entreprises du numérique qui forment un beau réseau, qui est le plus grand réseau du numérique en France actuellement. Alors effectivement, nous sommes bien à la troisième édition de Digital Change. Une belle édition parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes plus nombreux qu'hier. Et nous sommes ravis de poursuivre ces échanges, ces partages, pour vous inspirer tous, entrepreneurs, aujourd'hui. Alors, à propos de cette transition numérique, aujourd'hui, on va accueillir, et pour cette nouvelle conférence, Pascale Dumas, présidente d'HP France, HP, acteur majeur naturellement du PC et du print. Et donc, sans plus attendre, je vais appeler Pascale Dumas. Merci de l'applaudir. Très bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci de me donner cette opportunité. Je suis ravie de partager avec vous la vision d'HP sur cette révolution industrielle. Et tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et à les féliciter, parce que c'est une très belle initiative. Je crois qu'elle est du domaine de l'intérêt public, de l'intérêt national, que de savoir partager en fait, l'état de l'art dans le domaine de la transition digitale et de la quatrième révolution industrielle, parce que c'est une opportunité incroyable pour la France, qui peut permettre de remettre beaucoup de pendules à l'heure. Et en ce qui concerne les aiguilles, je pense qu'on peut les attraper à pleine main. Alors, durant cette intervention d'à peu près 45 minutes, je partage un certain nombre de choses avec vous. C'est à la fois la vision de notre entreprise, mais également quelles sont les grandes influences qui dirigent le monde. Quels sont les impacts, notamment sur toute la transformation industrielle? Pourquoi c'est une réalité, à la fois politique, sociale, mais également économique? Et comment on peut faire en sorte, ensemble, de l'installer en France pour recréer une vraie présence industrielle dans notre pays? Alors, et nous disposons beaucoup d'atouts pour cela, j'y reviendrai également. Alors, chez HP, ça a été rapidement présenté, c'est vrai que nous nous positionnons comme un inventeur et un créateur de technologie avec un vrai esprit start-up depuis 1939. Nous sommes présents dans les systèmes personnels, que ce soit dans l'ultramobilité, la sécurité des données, la réalité augmentée, mais nous sommes également un acteur historique, reconnu depuis plus de 50 ans dans le monde de l'impression. Alors l'impression, c'est à la fois celle que l'on connaît au quotidien, l'impression bureautique, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, mais c'est également l'impression industrielle, donc avec tout ce qui tourne autour de l'impression sur des supports multiples, que ce soit les bâches, que ce soit les packaging, que ce soit le textile, et aujourd'hui l'impression 3D, donc dans des domaines extrêmement diversifiés. HP, c'est aujourd'hui 55 000 collaborateurs présents dans 170 pays, donc avec un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars, mais surtout une présence historique depuis plus de 50 ans en France. Et en France, aujourd'hui, on emploie 1200 collaborateurs qui sont répartis sur deux sites principaux, à la fois le site de Meudon, qui est notre siège social en région parisienne, mais également Grenoble, où nous employons 600 collaborateurs, qui est un des sites historiques, donc installé depuis plus de 50 ans. Mais un des points essentiels, dès l'instant où on est dans un pays comme la France, ce qui compte,
c'est aussi d'avoir une présence régionale importante, parce que c'est aussi là que se fait l'économie et c'est aussi là que se fait la transformation de nos sociétés. Et nous sommes présents à Nantes avec une équipe historique très bien installée. Alors, quand on est un industriel, un des points importants, c'est de savoir investir quotidiennement en recherche et développement. Et aujourd'hui, nous disposons d'à peu près 26 000 brevets actifs, ce qui fait effectivement HP un des leaders, un des acteurs majeurs de cette transformation digitale. Nous sommes également un industriel, comme je l'évoquais, et un industriel qui fabrique, chaque minute qui passe, 115 PC, 80 imprimantes et 900 cartouches que nous fabriquons et nous livrons partout dans le monde. Et donc, en tant qu'entreprise globale, nous sommes directement, comme vous pouvez l'imaginer, concernés par cette révolution digitale et industrielle. Alors, comme vous l'avez vu dans le film d'introduction, l'innovation est un point important, mais aujourd'hui, plus aucun industriel ne peut se permettre d'innover seul. Pourquoi ? Parce que l'innovation fait appel à de multi-compétences que l'on ne peut pas avoir verticalisées au sein de chaque entreprise, mais c'est la capacité à travailler en réseau actif et donc de travailler en écosystème. Et ces écosystèmes, comme vous l'avez vu rapidement, donc rassemblent des acteurs dans tous les domaines. Donc dans l'industrie automobile comme BMW, mais dans les équipements de biens de consommation comme Nike, comme Johnson & Johnson dans la pharmacie, dans la chimie avec BASF, Evonik, Arkema, mais également l'éducation et la recherche. Et en France, je suis très fière en fait que l'on ait noué une relation extrêmement riche avec le CEA sur des projets de développement de R&D, donc avec HP, donc HP international, sur différents domaines sur lesquels je reviendrai. Et c'est important de le mentionner, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la fierté qu'on peut avoir d'avoir le CEA installé en France fait que la France est le troisième pays le plus innovant au monde, derrière les États-Unis et le Japon, par le nombre de brevets déposés. Donc de la recherche fondamentale qui n'attend qu'à devenir de la recherche appliquée. Et puis, bien évidemment, d'autres nombreux partenaires, donc, tels que Dassault Systèmes, notamment pour toute la partie applicative. Et puis, ici, des partenaires locaux que je tiens à saluer parce que nous sommes heureux de cette collaboration historique, comme Ilian, Mispo, Dynamips, Tipco, SCC, Escrim, CIS Valley également, et puis Visiative, qui a un stand, et j'en reparlerai tout à l'heure. Cette quatrième révolution industrielle, ou qu'on appelle également l'industrie 4.0, est devenue une réalité qui s'impose à la fois dans nos sociétés, dans notre société et dans nos vies. Alors, quand on parle de révolution industrielle, en fait, on trouve une combinaison de différentes technologies. C'est à la fois le big data, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, bien sûr, le blockchain, la robotique, les nanotechnologies, les biotechnologies, la gémonique, les matériaux avancés et l'impression 3D. Alors cette révolution, qui est aussi technologique, il faut comprendre qu'elle se nourrit de ce qu'on appelle les grandes tendances de fond, ce qu'on appelle les méga-trends, en fonction de quel côté on est de l'océan, ou les hyper-tendances, quand on est de ce côté-ci de l'océan, et à la fois qui vont régir non seulement nos sociétés, mais qui vont influencer les comportements, nos comportements, déterminer les décisions, et qui nous font comprendre si nous voulons devenir des acteurs éclairés. Alors, ici, vous retrouvez en fait les grandes tendances, et je vais me permettre en fait de les expliquer en quelques mots, parce que vous allez vous retrouver dans ces tendances qui influencent dès maintenant nos vies et nos sociétés. Alors déjà, ce qu'on appelle une méga-trend ou une hyper-tendance, c'est en fait un changement mondial majeur, qu'il soit social, économique, politique, environnemental ou tout à la fois. Et en fait, qui peut prendre des décennies avant de se matérialiser, avant de devenir une réalité. Mais une fois que cette tendance est avérée, qu'on est mis devant le fait accompli, en fait, elle influence de façon irréversible une grande diversité d'activités, de processus et de perceptions. Et que ce soit dans toutes les strates de la société, que ce soit des services de l'État, au niveau de l'industrie ou au niveau des particuliers, et ce, pour des décennies. Alors, en ce qui concerne HP, c'est vrai que notre présence internationale dans 170 pays
La diversité des activités que nous couvrons et des clients que nous adressons, c'est un véritable observatoire privilégié de l'évolution économique, politique et culturelle des différentes sociétés dans lesquelles nous sommes présents. Et en fait, c'est cette observation constante qui influence à la fois notre politique d'investissement en termes de recherche et développement à long terme, que ce soit sur les nouvelles technologies, les nouveaux partenariats industriels ou le développement d'écosystèmes. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail pour que vous compreniez effectivement où on se situe aujourd'hui et que ça fasse un écho, justement, par rapport à la façon dont ça influence la technologie, nos comportements, et comment on peut, nous, ici en France, et vous, ici, dans cette région, saisir ces opportunités. Tout d'abord, l'urbanisation grandissante. Quelques chiffres. En 2030, nous serons 8,5 milliards d'habitants sur Terre et en 2050, 10 milliards. La population sera de plus en plus citadine parce que les cités sont de la perspective d'une vie meilleure. 60% sera urbaine. Et aujourd'hui, 1 600 000 habitants dans le monde deviennent urbains à peu près tous les mois. Parce que ça devient un des moteurs de l'économie. Et comme nous l'avons en tête, notamment dans les différents événements qui frappent la France depuis maintenant de nombreuses semaines, oui, ce sont les classes, l'économie des classes moyennes qui, en fait, apportent de la richesse aux nations. Et aujourd'hui, c'est 35% de ces populations au niveau mondial qui sont urbaines. Demain, ça sera 50%. Alors, ça a des impacts, cette urbanisation. Nous avons une différente façon de concevoir l'économie. Aujourd'hui, on le voit, l'économie est de plus en plus partagée. Ça devient une économie de commodité. Je cite un exemple que nous connaissons tous, Airbnb. Aujourd'hui, c'est une situation, un peu une économie de partage. Nous mettons à disposition un bien que dont nous allons profiter, que nous allons consommer avant d'en changer très vite. Parce qu'en plus de ça, nous aimons la personnalisation et nous aimons changer. Alors, c'est maintenant plus en plus de développement de services à la demande. Pourquoi ? Parce que finalement, la propriété peut devenir une contrainte. L'autre élément de cette urbanisation grandissante, c'est l'impact sur les ressources. Et de plus en plus, on voit le développement d'outils et de services pour rendre les villes plus respectueuses en termes d'énergie et respectueuses de l'environnement. Et ça va être un facteur clé déterminant qui va conditionner les nouveaux axes de recherche-développement dans le monde de l'industrie et des services. L'autre élément, c'est cette évolution démographique. Et là, le vrai point, c'est comment accompagner la transition générationnelle. Donc, extension de la démographie, mais l'évolution de la démographie, allongement de la durée de vie. D'ici 20 ans, 25 ans, on va passer d'une moyenne de 70 ans à 83 ans. Avec des impacts majeurs, on connaît aujourd'hui, dans certains nombres de pays industrialisés, une baisse de la fécondité. Avec des conséquences majeures, c'est-à-dire qu'il y aura plus de 2 milliards d'habitants qui auront plus de 60 ans, soit 20% de la population mondiale en 2050. Les décroissances dans certains pays occidentaux, on le voit déjà, c'est déjà largement communiqué, comme l'Allemagne, mais également le Brésil, la Chine, qui a autorisé en fait les familles à avoir plus d'un enfant, mais malgré ça, ça ne suffit pas, le Japon. Mais évidemment, c'est cette évolution démographique, vous imaginez le poids que ça représente sur la société, sur nos sociétés. Ça va mettre un certain nombre de désordres et de pressions économiques, parce que plus de retraités que d'actifs, une pénurie de main-d'œuvre, ce qui est déjà le cas, et certains pays, aujourd'hui, en fait, ont déjà identifié, notamment l'Allemagne, que d'ici 20 ans, leur problématique, ce sera effectivement de continuer à alimenter le moteur de l'économie avec de la main-d'œuvre qualifiée. Et l'autre impact, c'est comment gérer, en fait, les investissements et la dette des nations qui va porter, en fait, ces coûts complémentaires. Alors, évidemment, différentes initiatives, c'est comment on va accompagner, en fait, les seniors à travailler un peu plus longtemps, en revoyant la notion de flexibilité du temps de travail, mais également pour accompagner cette transition et notamment le monde des compétences. Et puis, c'est développer des nouveaux outils, des nouveaux services pour pallier ce manque de ressources, et puis également des nouveaux marchés liés à cette population, qui sera certes vieillissante, mais l'allongement de durée de vie fera qu'elle devra être accompagnée. Et l'évolution des compétences est un facteur clé, parce que déjà aujourd'hui, au niveau mondial, on estime à 80 millions le nombre de déficits de compétences pour porter en fait cette transition
autour de l'évolution digitale. Les deux autres tendances que je vais en fait ramener à une seule explication, parce qu'elles sont extrêmement liées, c'est à la fois l'hyperglobalisation et l'accélération de l'innovation. Alors la globalisation, l'hyperglobalisation, je crois qu'on y est confronté tous les jours, parce que nous en sommes tous des acteurs. Quelque part, nous l'alimentons, cette hyperglobalisation. C'est l'émergence de plateformes digitales et de start-up qui opèrent en fait dès leur création au niveau mondial. Alors je vais citer deux exemples. Je vais citer Alibaba, dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui a été créé par un professeur d'anglais au milieu de la Chine. J'en ai même oublié le nom, de toute façon il est imprononçable pour moi. Donc Alibaba a été créé il y a quelques années. Aujourd'hui, Alibaba, c'est une capitalisation boursière de 400 milliards de dollars et qui anime au quotidien plus de 600 millions de clients partout dans le monde. L'autre plateforme qui a émergé from scratch, c'est Airbnb. Je recite cette plateforme parce qu'elle a mis à mal quand même un groupe hôtelier prestigieux qui est le groupe Accor, qui a dû se réinventer. Aujourd'hui, Airbnb, c'est 3 millions de logements, c'est 150 millions d'utilisateurs dans le monde, et c'est une valorisation à plus de 50 milliards de dollars. Et pourtant, ils ne possèdent rien. Ils n'ont quasiment pas d'actifs, mais leur actif, c'est sans doute le plus important, c'est la connaissance de leurs clients. Alors l'autre élément, c'est qu'un bonheur n'arrive jamais seul dans cette transformation, c'est que l'hyperglobalisation et cette capacité, en fait, de capter un potentiel économique assez rapidement, effectivement, ça crée de la tentation. Et la tentation, c'est tout ce qui touche autour des cyberattaques, qui devient en fait, elle aussi, un peu une industrie. Et je pense qu'il n'y a pas un jour sans que la presse fleurit en fait, de ces différentes cyberattaques. Et pourtant, tout le monde n'est pas aussi communicant, donc il y a beaucoup de discrétion. Mais sachez qu'aujourd'hui, le monde de la cybersécurité est un marché de plus de 500 milliards de dollars au niveau mondial. Il y a près de 50% des entreprises qui connaissent les failles de sécurité, et c'est un marché qui est florissant, puisque c'est plus de 25% par an. Alors évidemment, c'est porté par différents facteurs. C'est l'ultra-mobilité, le fait qu'on ne se déplace qu'avec des outils hyper-mobiles, on accède à l'information n'importe où, que ce soit des données privées, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient strictement personnelles, et puis des usages mixtes, c'est-à-dire que nos outils, comme je l'explique, quels qu'ils soient, on travaille dans toutes les circonstances. L'autre point, c'est que ce marché, il est global, mais il est de plus en plus avec des exigences locales, parce que nous sommes X milliards d'individus et nous voulons être différenciés. Nous ne sommes pas le même que notre voisin, que notre enfant, que notre parent. Nous sommes des êtres uniques et nous avons cette fierté et nous vous comptons à l'être. Alors l'entreprise qui intervient sur l'échiquier mondial requiert beaucoup d'interconnexions et de logistique globale. Les acheteurs aujourd'hui peuvent acheter n'importe où, n'importe quand, et les flux d'approvisionnement deviennent un challenge. D'où les nouveaux écosystèmes IT qui se construisent en fait sur des nouveaux environnements de collaboration, avec des produits et des services pour à la fois créer des capacités globales, mais de l'agilité locale. Et l'autre dimension transversale qu'il faut considérer dans cette évolution, c'est la prise de conscience des enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociaux, éthiques, et qui deviennent un véritable préalable aux stratégies des entreprises, notamment en ce qui concerne la R&D et la supply chain. Et je vais y revenir. Alors, il y a une information que je voulais partager avec vous, que je trouve extrêmement intéressante. Vous voyez, je reviens sur le CEA, parce que ça vient bien en fait compléter et inspirer sur le rôle qu'on doit avoir en France sur en fait cette capacité d'innovation que nous avons. Donc le CEA, c'est une fierté nationale, comme je l'évoquais, c'est ce qui permet à la France d'être le troisième pays le plus innovant au monde, et en fait a vraiment une démarche d'accélérer l'innovation française. Et voyez, vous regardez sur l'écran un peu ce que je viens d'expliquer. Vous retrouvez en fait au milieu les différents domaines d'activité sur lesquels le CEA intervient. Et voyez que ça vient servir en fait quatre pôles essentiels. À la fois la notion de digital économie, on va retrouver cette notion de service, mais de globalisation. Également les aspects autour de la sécurité, autour de la démographie
et autour de tout ce qui est l'évolution du climat et l'impact sur la pollution. Et donc, cette institution axe sa R&D et sa recherche fondamentale exactement sur ces sujets. Et nous collaborons très étroitement, comme d'autres industriels, pour effectivement, sur ces projets technologiques, et notamment sur l'impression 3D, et je vais y revenir. Alors, aujourd'hui, cette transformation industrielle, c'est plus particulièrement le sujet qui nous occupe. Le secteur industriel, en fait, l'industrie manufacturière, représente aujourd'hui 16% de l'économie mondiale, soit environ 12 000 milliards de dollars. Ça en fait des zéros, hein, et qui continue à croître. Et le point, pour servir, en fait, cette longue introduction que j'ai faite, pour bien comprendre, en fait, l'échiquier sur lequel nous intervenons, c'est que des emplois et des économies entières vont se déplacer. Et elles vont se déplacer au plus près, en fait, des consommateurs qu'elles approvisionnent et des lieux où l'impression 3D, mais toute autre technologie numérique et digitale, vont être pleinement mises en œuvre. Alors, la tendance de ces 20 dernières années, vous les connaissez parce que nous en sommes acteurs, nous en sommes consommateurs. Ça a été, en fait, le développement de chaînes de valeur qui étaient de fabrication extrêmement efficace et complexe, qui constituait en deux axes. Le premier axe, c'est une spécialisation de conception à haute valeur ajoutée sur les marchés extrêmement matures et principaux occidentaux. Et puis toute une production de séries, de pièces, sur des très grandes masses, dans des pays en développement, avec les effets que l'on connaît, non seulement sur les baisses de coûts de fabrication, mais qui ont aussi favorisé, en fait, l'explosion des biens de consommation. Et aujourd'hui, pour que la fabrication additive, en fait, devienne une technologie de référence, mais qu'on passe du prototypage à la série, en fait, il est impératif de l'améliorer. Et vous voyez les 6 points, en fait, sur lesquels, à la fois, il faut améliorer, mais il faut accélérer. Le premier point, c'est la baisse des coûts des matériaux, en fait. Aujourd'hui, essentiellement, sur le 3D, ce sont des polymères, que ce soit du nylon, ce qu'on appelle le PA11 ou le PA12, et qui permet en fait de fabriquer ces matériaux extrêmement résistants, que ce soit pour le prototypage ou des pièces de série. Et je vais y revenir et vous aurez quelques exemples. Mais également un élargissement de la gamme de matériaux, c'est-à-dire comment on passe du polymère, comment on améliore ces technologies en fait nylon pour aller vers des matériaux tels que la céramique, par exemple, ou le métal. Et à ce titre, d'ailleurs, nous venons de introduire sur le marché une imprimante 3D métal. Et puis des nouvelles capacités. Nouvelle capacité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nouvelle capacité, c'est la résistance des matériaux, mais également une intelligence associée aux matériaux. Vous savez, quand on parle d'impression, on parle de pixels. En 3D, on parle de voxels, le V pour volume. Et en fait, ce qu'on était en train de faire, c'est que dans un voxel, donc vous voyez un tout petit point en volume, c'est qu'on va développer, on va lui développer une capacité qui va lui être propre. C'est-à-dire que dans une même pièce, eh bien, qui est composé de voxels, en fait, chaque voxel aura une capacité qui lui sera propre, comme la transparence, l'élasticité, la conductivité, et ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir imprimer de l'électronique, ce qui va être une véritable aussi révolution, parce que du 3D, ça va nous permettre de passer au 4D. Et l'autre point, c'est d'être capable de repenser la supply chain, notamment sur les aspects logistiques. Pourquoi ? Parce que l'empreinte carbone qui est associée au transport de ces centaines de milliards de produits qui transitent d'État à autre État, que ce soit par train, par air ou par mer, en fait devient une vraie problématique. Parce que les coûts logistiques associés sont désormais et définitivement une variable non maîtrisée par les industriels. Pour des raisons géopolitiques, des raisons économiques, et des raisons de matières premières, mais également des raisons météorologiques. Et aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, les coûts logistiques des pièces est 2 fois supérieur au coût d'assemblage de la pièce. Et donc, ce qui va révolutionner toute cette chaîne de valeur, c'est à la fois de bénéficier d'une technologie qui permet de permettre en fait, des cycles de production de petites séries qui soient économiquement viables. L'autre, à titre d'exemple, tout ce qui est autour de l'impression multijet de fusion, donc qui est notre technologie, permet d'atteindre des seuils de rentabilité
qui soit à plusieurs milliers de pièces. Et ce point d'équilibre, en fait, va continuer à augmenter, puisque grâce à l'évolution des coûts de matériaux, on va être capable, en fait, de passer aujourd'hui d'à peu près 100 000 pièces à 1 million de pièces fabriquées sur ce type de produit. Et en métal, c'est être capable de passer, en fait, d'un point de rentabilité de 50 000 à plus de 500 000 pièces. Donc, vous voyez, on n'est qu'au bout, on n'est qu'au début, en fait, d'une très longue histoire. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est quelles sont les applications associées pour rendre vraiment pratique, en fait, cette activité et la rendre réaliste. Dans quel domaine d'application elle intervient dès maintenant ? En fait, vous le voyez, il y a quatre grands axes qui sont évidents. Le transport, le domaine de l'industrie, le médical et les biens de consommation. Et vous voyez déjà un certain nombre de pièces qui sont aujourd'hui fabriquées, et je ne parle pas du prototypage, je parle déjà en série à partir de cette technologie. Et vous voyez qu'un certain nombre de pièces substantielles, en fait, qu'on va intégrer dans d'autres technologies, aujourd'hui devient une réalité. Alors, c'est vrai qu'on voit de multiples applications. Donc, sur les polymères, par exemple, je peux citer des bouches d'aération. Il y a une société qui s'appelle Aereco, avec laquelle nous travaillons, et qui a complètement, en fait, modernisé son activité industrielle avec des imprimantes 3D. Mais il y a cela. Ça, c'est une prothèse, une orthèse crânienne, qui est fabriquée par une entreprise française, qui est Chablose, qui est un leader dans le domaine, et qui est passée du prototypage au produit de série. Et puis, il y a également, dans le domaine médical, Biotech, avec des prothèses dentaires, qui, là aussi, en fait, s'est passée du prototypage à la série. Et puis, je vais parler d'HP un peu plus en détail pour vous donner des exemples encore plus précis. Et sur le métal, qui est aussi une technologie qui est en train d'évoluer rapidement, je vais parler de Volkswagen, qui a compris, en fait, que dans ce monde automobile, la notion de personnalisation, et je pense que vous voyez avec des modèles qui sont de plus en plus personnalisés selon nos goûts, en fait, deviennent réalité, mais personnalisation de masse. Parce que c'est cela, le point. C'est-à-dire comment on va être capable de personnaliser des dizaines de millions d'objets dans une chaîne de production complètement automatisée. Et typiquement, Volkswagen, en fait, a identifié un certain nombre d'objets, particulièrement dans une voiture, comme une clé, dans les nouveaux produits, qui va être complètement personnalisé au goût, en fait, de son client. Eh bien, ça, c'est un produit fabriqué à partir d'une imprimante 3D, HP. Mais ça va être aussi des plaques d'immatriculation ou des rétroviseurs. On a un exemple ici. Là, c'est du polymère, mais fabriqué spécialement en série pour Volkswagen. Alors, l'autre point, la prochaine étape, ça va être, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un des points essentiels pour aussi crédibiliser cette technologie et en faire une réalité, c'est le développement d'applications spécifiques pour alléger le poids des composants. Ça va être effectivement l'autre challenge. Et ça, ils vont le faire notamment pour les prochaines gammes de véhicules électriques. D'ici 2025, Volkswagen prévoit une dizaine de millions, en fait, de véhicules électriques avec une cinquantaine de modèles différents. Et cette notion d'allègement de pièces est clé, justement, pour légitimer cette technologie électrique. Alors, hop là. Est-ce que je vois ce que je fais là ? Oui. Alors, pour comprendre comment, en tant qu'industriel, on s'applique, en fait, cette technologie à nous-mêmes. Alors, nous, on l'a déjà introduite dans nos cycles de production depuis maintenant 3 ans. Et en fait, pour légitimer cette technologie, il y a différents points essentiels. Nous, ça nous a beaucoup aidés pour différents axes. Je ne vais pas tout détailler, mais pour comprendre. C'est déjà le cycle, en fait, de mise sur le marché des produits. C'est vrai qu'on peut améliorer, en fait, de plusieurs mois à quelques semaines le temps de développement par cette technologie 3D. L'autre point qui est important, c'est les coûts. Parce que aujourd'hui, la technologie de fabrication, c'est de l'injection. Vous faites fabriquer un moule et vous remplissez votre moule pour faire votre pièce. Or, en 3D, on oublie ça. On n'a pas de moule puisqu'on va créer la pièce en fonction de l'usage qu'elle doit avoir. Et là aussi, nous, ça nous a permis de faire beaucoup d'économies, puisque sur un nombre de produits, on fabrique notamment tout ce qui est cartouche d'encre, le boîtier, complètement avec une technologie 3D. L'autre point, deux exemples que je veux citer,
c'est que, comme je l'expliquais, nous sommes très présents dans tout ce qui est technologie industrielle d'impression, notamment sur les traceurs, les grands formats, qui sont des produits de haute disponibilité et qui ne peuvent pas se permettre de tomber en panne. Parce que derrière, c'est un monde d'impression industrielle, les partenaires ont des clients, les clients ont des clients, etc. etc. Et en fait, le vrai challenge, c'est la production des pièces détachées. Eh bien, aujourd'hui, en fait, pour maintenir un niveau de disponibilité majeur sans avoir des stocks, nous produisons l'ensemble des pièces détachées de ces traceurs grand format à la demande pour les clients. Et ça permet, en fait, d'avoir un niveau de réactivité maximum et avec une optimisation des coûts. Et quand je dis qu'on s'applique cette technologie à nous-mêmes, on l'applique aussi sur nos propres imprimantes 3D. Parce qu'aujourd'hui, ces imprimantes, il y a à peu près entre 150 et 200 pièces, des pièces fonctionnelles qui sont en fait imprimées par une imprimante 3D et qui viennent s'assembler dans une imprimante 3D. Donc aujourd'hui, c'est déjà une réalité technologique et une réalité économique. Et c'est l'importance parce qu'il n'y a qu'une réalité économique qui fera l'accélération de cette technologie. Alors, autre point important, et là aussi, c'est ce qui est intéressant de cette technologie, c'est qu'en fait, vous ne reproduisez pas à l'identique. On n'est pas dans une notion de moule avec de l'injection, on est vraiment dans une création de design complètement différente. Et là, vous voyez un exemple qui est justement une de ces pièces fonctionnelles de l'imprimante 3D. Donc, cette pièce, au départ, est fabriquée en aluminium dans un moule. Et en fait, on active ce qu'on appelle le design for additive thinking, c'est-à-dire comment on va reconcevoir, redesigner une pièce pour qu'elle ait cette même fonction, mais pas forcément en ayant tout à fait la même forme et pas forcément en ayant cette notion de masse. Et vous voyez que ça n'arrive pas d'un coup, on y arrive par processus, en fait, au fur et à mesure, en fait, processus par itération. Et vous voyez typiquement que cette pièce fonctionnelle, eh bien, au départ, elle pesait 355 grammes, ce qui n'est pas rien, pour arriver en fait à 23 grammes. Et le point commun, c'est que le 3D libère en fait cette capacité de conception avec des nouveaux designs, à la fois pour gagner en légèreté et en résistance, pour réduire les coûts, réduire le temps de développement, et puis accélérer la mise sur le marché. Je vais vous donner un exemple dans le transport, notamment dans le domaine de l'aviation. Sachez que si on arrive à diminuer une pièce majeure de 500 grammes, eh bien, ça permet d'économiser 50 litres de carburant et sur une année, ça permet d'économiser 150 kg de CO2. Voilà aussi une autre réalité économique et en fait environnementale de ce qu'apporte la création et l'innovation autour du 3D. Et maintenant, ce que je vous propose, après ce speech, moi, ça me permet de prendre un petit peu d'eau, une petite pause avec un clip. Change breeds challenge, but also opportunity. Today's industrial revolution is changing the way we manufacture and design metal parts. Only those who embrace the most advanced digital technology to meet demands will meet opportunity. HP gives you the most advanced metals 3D printing technology for mass production. With HP Metaljet, businesses can drive growth by producing high-quality final metal parts at a low cost per part, unlocking new revenue streams and new applications for outpacing, outproducing, and outthinking competitors. HP Metaljet brings metals 3D printing into mainstream manufacturing. It helps push beyond existing design constraints to create strong, high-performance parts. Achieve complex, functional final metal parts with unmatched speed and consistency to support the industries and innovators that are changing lives. HP is driving transformation with a unique solution to help businesses go further, faster. In a world that demands they never stand still. HP Metaljet Technology, reinvent opportunities.
Donc voilà comment, en fait, ça devient déjà une réalité. Alors, en conclusion, vous comprendrez maintenant, je pense, que la fabrication additive représente une formidable opportunité pour la France en tant que nation qui détient une véritable expérience et expertise dans la fabrication. Nous sommes l'un des 10 pays dans le monde en matière de développement et de déploiement de l'impression 3D. En France, nous disposons d'atouts incroyables dont il faut que nous soyons fiers. C'est un patrimoine, mais nous en sommes aussi responsables. Nous sommes la 3e économie européenne, la 7e économie mondiale. Nous sommes le 3e pays mondial en termes d'innovation sur le nombre de brevets déposés. Nous sommes le 6e pays mondial en termes d'investissements étrangers qui viennent en France. Nous disposons d'universités, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce de tout premier rang. Et tout cela s'appuie par un panorama qui est extrêmement solide et équilibré, qui est composé de grandes entreprises, mais également d'ETI, de PME, PMI et de start-up. Et la région, Pays de la Loire, ici, vous tous, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a un PIB qui est supérieur à la moyenne nationale, il y a une création d'emplois dynamique, une volonté en termes d'entreprises à se mobiliser, comme tout ce qui est ici, comme ça a été dit, 600 entreprises numériques, un niveau d'éducation extrêmement élevé et qui va continuer à se développer. Donc il est important qu'ensemble, industriels, institutionnels, nous agissions ensemble rapidement sur trois axes pour actionner les moteurs du changement. Le premier, c'est l'éducation. On doit impérativement continuer à investir, accélérer l'investissement dans la main-d'œuvre future avec des programmes d'enseignement qui soient dédiés. Mais c'est également l'accompagnement, la formation des entreprises avec des programmes d'incubation pour développer les compétences. Et puis l'autre aspect, oui, on a besoin d'allègements fiscaux et de subventions directes pour créer en fait de les véritables capacités numériques. Alors je pense que vous l'avez compris, pour l'industriel que nous sommes, les industriels que nous sommes tous ensemble ici, c'est particulièrement motivant, excitant, de participer ensemble à cette incroyable transformation. Et moi, en tant que Française, je souhaite qu'une chose, c'est que la France, notre pays, saisisse cette opportunité à bras-le-corps pour que l'on soit un acteur de tout premier plan de cette 4e révolution industrielle. Et l'autre point, plus que jamais, ces nouvelles capacités scientifiques, technologiques, doivent être au service des valeurs humaines, car je le rappelle, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous remercie de votre attention.